ce but, il attend que ses partenaires viennent le féliciter. Et oui, quand ce n'est pas Koscielny, quand ce n'est pas Varane, c'est Hugo Lloris qui réalise. Direct, oh incroyable, incroyable, le temps additionnel, le deuxième but pour la Suède, pour Ola Toivonen. Il en restait une qui chantait, mais elle n'était pas française, elle était suédoise. Thank you.
troisième minute. On l'avait peu vu dans cette première demi-heure, mais il surgit au meilleur moment. Le Stade de France peut exploser. Les Bleus mènent 1-0. Le contrôle, et la frappe, avec la réussite de celui qui retrouve le chemin de filet et libère le Stade de France. Fianzo!